La Fashion Week parisienne a débuté la semaine dernière et réunit son lot de mannequins internationaux dans la capitale. Parmi ces derniers figure Kendall Jenner, qui est passée du statut de candidate de télé-réalité à celui de reine des podiums. La jeune femme a commencé sa carrière à l'âge de 14 ans, en signant son premier contrat avec l'agence de mannequins Wilhelmina Model. Depuis, elle peut se vanter d'avoir fait la couverture de prestigieux magazines de mode, tels que Vogue ou la version mexicaine de Marie Claire. Kendall Jenner @Getty Images. Ce lundi 26 juin, la grande sœur de Kylie Jenner faisait partie des top modèles choisis par la maison Jacquemus pour présenter sa nouvelle collection. Lors du défilé qui a eu lieu au château de Versailles, Kendall Jenner portait une mini-robe blanche très originale, en forme de nuage. Si cette tenue n'est pas passée inaperçue, elle n'a cependant pas reçu les compliments qu'espérait son créateur. Kendall Jenner moqué sur la toile. En effet, la tenue portée par Kendall Jenner n'a pas franchement séduit les internautes, nombreux à se demander ce qu'il fallait y trouver d'élégant. On a ainsi pu lire sur les réseaux sociaux, « J'ai fait le rêve le plus étrange de Kendall Jenner la nuit dernière. Et c'est tout ce que je dirais à ce sujet. » Ou encore, « La robe la plus étrange que j'ai jamais vue, est-ce même la robe ou le tissu qui reste d'une robe ?» s'est interrogée une utilisatrice de Twitter. Celle qui a quelques lacunes en cuisine n'a pas non plus été épargnée et a eu droit à un flot de railleries. Elle a ainsi été critiquée sur son allure et sa manière de marcher, elle est grave surcotée, elle sait pas défiler, a estimé un internaute. Cette robe en forme de nuage, qui a beaucoup fait parler, fait partie de la collection automne-hiver 2023-2024 de Jacquemus, intitulée Le Chouchou. Si elle n'a pas obtenu le succès escompté, cette pièce excentrique aura néanmoins permis de mettre en lumière le défilé de la marque de haute couture. Kendall Jenner @Getty Images. Une carrière remise en question? Ce n'est pas la première fois que la carrière de mannequin de Kendall Jenner est remise en cause par ses détracteurs. À l'instar de Lily Rose Depp, beaucoup l'accusent d'être une nepo baby, enfant de star privilégiée, qui a pu percer dans la mode uniquement grâce à la notoriété de sa famille. Mais pas de quoi ébranler la jeune femme de 27 ans, qui était le mannequin le mieux payé du monde en 2017, selon Forbes.